Salut à tous et à toutes, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série d'Archer Event World to Zlatan Ibrahimovic. Donc aujourd'hui, toujours la même technique que la dernière fois. Donc on va pas changer une technique qui marche. La technique des pas de bronze. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller la voir. Mais si vous avez la flemme, je vous explique ce que c'est ces techniques. Donc ces techniques constituent tout simplement à acheter des packs bronze à 400 crédits à revendre tout dedans tout ce qui est carte, alors joueur, tout ce qui est joueur, listez-les sur le marché des transferts, listez aussi les cartes forme, les cartes soins, ça part H24. Les cartes soins, n'hésitez pas à regarder parce que certaines cartes soins coûtent plus cher que d'autres. Par exemple, les cartes soins jambes coûtent environ 600 crédits, les cartes tout, etc. N'hésitez pas aussi à vendre d'ailleurs vos cartes éléments club, donc les cartes, surtout les cartes rares, des maillots rares, des maillots que vous savez qui sont assez originales ou assez beaux, qui peuvent se vendre, n'hésitez pas à les lister. Les écussons rares aussi, n'hésitez pas à lister. N'hésitez pas aussi à lister. Donc les entraîneurs, parce que les entraîneurs ça passe très souvent, surtout les entraîneurs rares, ça part à chaque fois, listez-les. Et sinon tout ce qui est contrat et tout, vous pouvez les garder pour vous. Mais sinon bah vous pouvez les revendre rapide s'ils ne vous ont aucun intérêt. Donc c'est pour ça que voilà, cette technique elle marche à merveille. Parce que les packs vous 400 crédits et vous revendez obligatoirement, vous relistez obligatoirement au moins 3 cartes parce qu'il y a 3 joueurs. Donc obligatoirement vous listez au moins 3, c'est-à-dire la moyenne c'est entre 5 et 6 éléments que vous relistez. Et vous, à chaque fois vous les vendez au moins 150 crédits, vous êtes obligé de vous faire des crédits dessus, ou sinon faut vraiment pas avoir de chance sur cette technique. Mais à chaque fois que j'ai joué cette technique, je me suis fait je sais pas combien de crédits, à marche à merveille. Je vous conseille de faire cette technique quand vous avez en dessous de 10 000 crédits, ça marche très bien, ça vous remplit votre pile d'échange. Et puis après si vous avez 200 000 crédits, vous pouvez vous la faire aussi, ça change rien. Comme ça au moins vous listez les cartes les plus rares dès le début. Comme ça vous pouvez vous faites un maximum de crédits dès le début et vous allez vous faire un bénéfice de malade. Souvent grâce à ces techniques vous doublez votre nombre de crédits tout simplement. Par exemple dans cette vidéo vous allez voir qu'on va finir à 10 000 crédits, alors j'ai commencé à 5 000. Ça vous double tout simplement. Lors de la dernière vidéo j'avais plus que doublé, j'avais triplé même. Parce que j'avais commencé à 500 crédits. J'ai multiplié par 10 mon nombre de crédits parce que j'ai fini à 5 000. Bah voilà, après c'est le début. Mais n'hésitez pas, c'est une qui a marché à merveille. Vous avez n'hésitez pas à vous la faire. Mais lors d'une prochaine vidéo, lors de la dernière vidéo, je vous avais promis une nouvelle technique. Et elle va arriver lors du troisième épisode. Ce sera la technique fuite millionnaire. Je pense que la plupart des gens la connaissent. Elle marche bien. D'ailleurs sur mon compte principal, je suis actuellement en train de la faire. Donc pour vous dire que ça marche très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je me fais un max de crédit grâce à ces techniques qui marchent à merveille. Donc ces techniques, vous allez voir, consiste à quoi. Je pense que la plupart des gens la connaissent. Elle a été créée par une personne qui ne faisait pas de vidéo. Il faisait tout simplement, il avait créé ces techniques là et on pouvait l'acheter en ligne. Sauf que cette technique a été révélée par des youtubeurs, donc on peut l'avoir très facilement. C'est pour ça que je vais vous présenter cette technique rapidement lors du troisième épisode pour que mon nombre de crédits soit encore soit plus que doublé. Je commence à tourner cette ce nouveau épisode et vous allez voir qu'on va finir avec un bon nombre de crédits, enfin je l'espère. Donc en tout cas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, on va pouvoir parler un peu du futur de la chaîne parce que je peux pas sortir trop de vidéos en ce moment parce que l'endroit où je tourne mes vidéos, je n'ai plus internet, je n'ai toujours pas internet, donc c'est compliqué de tourner des vidéos en ligne. Faudrait que je vous fasse sans FaceTime et vous pouvez pas savoir comment je kiffe faire des FaceTime, donc je peux pas faire de vidéos. Je peux vous proposer des vidéos comme Road to Zlatan où j'ai pas besoin de montrer ma tête. Je peux vous montrer aussi des vidéos comme une nouvelle série qui va sortir sur la chaîne. C'est du prédiction Team of the Week que je vais faire. Je vais vous prédire les prochaines Team of the Week. Les vidéos comme ça sortiront le mardi, juste avant la Team of the Week. Ça va vous faire 24 heures. Je la sortirai à 17h comme toutes mes vidéos. Cette vidéo ça va vous servir pour vous faire des crédits en même temps. Parce que pour moi, donc je vais vous faire ma prédiction pour mes Team of the Week.
Et les joueurs là-dedans, il y en a certains qui sont presque sûrs à 100, qui sont sûrs à 100% d'être dedans. Et c'est pour ça que grâce à cette prédiction, ça va me servir de se faire pas mal de crédits. Donc j'aimerais bien m'en servir sur ma série Road to Zlatan. Quand j'aurai plus de crédits, vous verrez qu'elle va fonctionner à merveille, cette technique. Parce qu'elle consiste tout simplement à prédire des joueurs qui vont être dans la Team of the Week. Vous les achetez par exemple le mardi soir. Et le jour, au moment où ils vont sortir, par exemple, au moment où la carte va sortir, où vous attendez, vous avez une semaine pour la revendre. Et son prix, surtout pour les cartes argent, peuvent doubler, voire tripler. Donc ça marche à merveille cette technique. N'hésitez pas à vous la faire. Je pense que je vais la faire sur Red to Zlatan. Quand je vais vous prédire des vidéos, je pense que je vais pouvoir faire un truc comme ça. Où le mardi, je vous sors cette vidéo de prédiction. Et le vendredi, je vous montre les crédits que j'ai pu me faire grâce à si j'ai eu la chance et si la carte que j'ai promis, que j'ai prédit, allait être en forme. Donc cette technique, sur FIFA 15, j'ai pu me la faire et ça m'a rapporté beaucoup de crédits. Donc n'hésitez pas à vous la faire. Je l'expliquerai, je pense, dans une nouvelle vidéo. Et c'est pour ça que aussi je vais pouvoir vous proposer d'autres séries sur la chaîne plus tard, dès que j'aurai internet. Donc j'ai plusieurs idées de séries, comme en saison en ligne, où on va partir en saison en ligne tout simplement. Et puis je vais partir avec un club, n'importe lequel, ou une nation. On va faire 3 matchs dessus, 3 matchs avec, et puis lors du prochain épisode, dans les commentaires, vous me voterez dans les commentaires quelle équipe j'utiliserai pour le prochain épisode. Donc ça peut être intéressant, ça permettra de tester des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de tester sur Sud, car par exemple on peut pas les tester par exemple parce que l'équipe dans laquelle il est, le championnat est moisi, il a une nationalité pas assez connue. Il n'y a pas, voilà, on a des joueurs comme ça, ou des certains joueurs qui sont vraiment, qui ont l'air d'avoir des cartes de merde, et qui, ça se trouve, sont très très forts. Donc on va tester ces joueurs-là dans des clubs, ça peut être c'est intéressant. Et il y a d'autres séries qui vont arriver sur FUT. Je pense que essayer de faire peut-être des petites coupes comme ça, une nouvelle série qui va arriver avec Malherbe, une série qui va vous plaire, j'ai pas envie de vous la dire tout de suite. Parce que voilà, c'est vraiment une série qui va être très intéressante. Plein de séries comme ça, j'aimerais bien. On verra, on va bien voir ce que ça peut donner. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, les gars. Parce que comme la vie, on arrive à la fin. Vous allez voir que grâce aux ventes rapides de toutes les cartes, parce que je vais changer de technique lors du troisième épisode, grâce aux ventes rapides, ça va me permettre d'arriver à 10 000 crédits. Donc on aura doublé notre nombre de crédits lors du deuxième épisode. Même si je suis pas un grand spécialiste de l'achat et vente, je me débrouille pas mal grâce à des techniques tout simples. Et je vais pouvoir arriver à Zlatan rapidement. J'espère y arriver avant Noël, les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça va être compliqué, mais on verra. J'espère que ça vous a plu, les gars. C'était la 14. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas fait. Réagissez dans les commentaires aussi. Me rejoindre sur les réseaux sociaux. Snapchat. Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Je suis actif partout. J'essaie le maximum en tout cas. C'était la 14, prenez soin de vous, les amis. Bye tout le monde.